bordel. Pourquoi tu parles fort comme ça? On dirait une otarie qui s'étouffe avec un donut. Si t'as besoin de te défouler, va vendre du poisson à la criée, mais évite d'emmener tes enfants au parc. Ouais, je gueule et je parle fort. Et alors, qu'est-ce que je peux y faire? Bah, je sais pas, prendre rendez-vous chez un ORL, apprendre à respirer avec le nez, un truc un peu efficace, quoi. En général, c'est les grandes gueules qui hurlent comme ça. Ces gens sont persuadés que c'est eux qui mettent l'ambiance en soirée. Alors réciter l'alphabet en rotant, c'est marrant, mais c'est pas mettre l'ambiance. C'est la même personne qui fait des pédécelles et qui plonge sa main dans le paquet de chips derrière. Les gens disent d'elle, ouais, Patricia, c'est un peu une grande gueule. Mais en vrai, ça veut dire, ouais, Patricia, c'est une grosse casse-couille. Mais elle a un cœur gros comme ça. Bah, c'est-à-dire que c'est pas très bon d'un point de vue cardiaque d'hurler H24. Vous savez, c'est les gens qui vous disent, alors moi je suis cash, sans filtre, je dis ce que je pense. Mais c'est pas une qualité, ça. Dire ce que tu penses, c'est bien. Réfléchir avant de parler, c'est mieux.